Yo la famille, c'est Rocket 92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière. Parce que cette vidéo là la famille, je vais être vraiment honnête et clair, je vais pas faire d'humour, je vais pas faire de tatati tatata. Vous le savez, pourtant moi je suis quelqu'un vraiment qui est second degré, qui aime délirer etc. Mais là actuellement il y a des choses qui se font pas et j'aimerais vraiment en parler. Parce que je vais vous dire tout simplement les choses. En gros dans cette vidéo je vais pousser un petit coup de gueule. Parce que à l'heure d'aujourd'hui il y a des gens qui s'amusent à utiliser mon image, mes vidéos pour se foutre de la gueule des handicapés, de certains groupes de personnes etc. Et moi je tolère pas ça taille. Donc en gros c'est des gens, ils sont là, ils utilisent des extraits de mes vidéos en gros pour se foutre de la gueule des handicapés etc. Enfin bref, je vous montrerai l'extrait de la vidéo concernée histoire que voilà, vous voyez direct les choses au clair. Donc regardez, en gros voilà, il y a des gens qui utilisent mon image pour salir tout simplement des groupes de personnes handicapées, d'autres trucs. Enfin vraiment c'est dégueulasse quoi, vraiment je suis dégoûté quoi qu'on utilise mon image pour faire ce genre de choses. La trisomie 21. Donc je vous ai mis l'extrait de la vidéo dont je vous parle. Donc j'ai pas parlé durant l'extrait histoire que vous compreniez. En gros c'est quelqu'un qui s'est amusé tout simplement à utiliser un extrait d'une de mes vidéos pour comparer tout simplement les trisomiques à ce que je fais tout simplement. Donc en gros il se fout de la gueule librement des handicapés, des gens qui sont atteints de trisomie 21 etc. en utilisant mes vidéos et mon image. Parce que la personne elle m'a quasiment identifié sur le post quoi, elle a dit regardez le Rocket92, il a fait un montage en gros comme quoi je me foutais de la gueule des handicapés etc. Alors que voilà, moi j'ai absolument pas fait ça, c'est juste qu'il a pris un extrait de mes vidéos, il a rajouté c'est quoi la trisomie 21, il a mis une de mes vidéos et il m'a identifié sur le post Instagram. Du coup vis-à-vis de ça je me suis fait harceler par des pères, des mères etc. Ils ont des enfants qui sont victimes d'handicap etc. Ils m'ont dit ouais t'as pas honte le requin etc, de te foutre de la gueule des handicapés etc. alors que je suis en aucun cas responsable de ce que les gens font de mes vidéos. Et justement dans cette vidéo on va parler plus clairement de ça. Et bien évidemment pour bien parler d'un bon sujet, je me suis pris une petite commande. Donc on va manger en même temps un double cheese que j'ai pris, voilà, parce que moi je suis un gros dalleux, même quand je fais des coups de gueule je mange, tu connais. Et voilà voilà. En tout cas, comme vous le savez, moi la famille, wallah, ça me dérange pas qu'on utilise mon image pour faire rire les gens, pour que vous les mettez dans vos stories snap, voilà, pour vous faire de la pub ou quoi que ce soit, pour que vous fassiez des vues, vous utilisez mes vidéos, ça me pose pas de problème. Moi ça me dérange pas, je m'en fous, même si vous m'identifiez pas, il y a 40 000 vidéos qui tombent de moi sur Instagram, des gens ils utilisent mes vidéos, etc. pour faire monter leur compte Instagram parce que je dis des trucs marrants, etc. Ils m'identifient pas, il y a pas de souci, moi ça m'est égal, je m'en fous, tu vois. Mais qu'on utilise mon image pour salir des gens, ça j'acceptais pas. Moi déjà, les handicapés, c'est des gens que je respecte, des malades, c'est des gens qui sont nés avec des choses difficiles, t'as capté. Moi je connais des potes à moi, voilà, je connais un pote à moi, il est en fauteuil roulant depuis qu'il est né quasiment, et voilà, je pourrais jamais me foutre de la gueule des handicapés, taille. Et là vous êtes là, vous utilisez mon image pour vous foutre de la gueule des handicapés, et en plus de ça, genre moi, comme si j'avais pas de problème, il y a 40 000 personnes qui viennent me parler à cause de vous, ouais, t'as pas honte de te foutre de la gueule des handicapés, alors que moi je sais pour rien dans l'histoire, franchement les gars. On sait pourquoi vous voulez mettre dans la sauce, vous êtes là, vous voulez mettre dans la merde, la gueule. Moi je fais des vidéos dans mon coin, j'insulte personne. Hey, je fais des vidéos de mon côté. Il y a toujours des gens, ils vont prendre des extraits de vidéos à vous, ils vont essayer de vous mettre dans la merde. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Là, ça me dégoûte. Hein. Mais bref, je vais vous montrer ce que j'ai commandé du coup. Oh là, frère, c'est un truc de malade. Dites-vous, à cause de cette vidéo, je me suis vraiment fait harceler. Hein. Il y a eu plein de messages de parents qui me disent « Ouais, moi, mon fils, il est trisomique. Pourquoi tu fais ça ?» etc. Déjà, les trisomiques, ça demande beaucoup d'attention. Toi, tu te fous de leur gueule. Les enfants, plus tard, regarde comment ils vont voir les trisomiques. Enfin, vraiment, genre, j'ai reçu grave des messages comme ça et ça me fait mal au cœur, tu vois. Parce que moi, j'y suis pour rien, tu vois, dans cette histoire. Moi, au contraire, les handicapés, si je peux les aider, voilà, je les aide. Il y a des abonnés à moi, c'est des handicapés. En regardant mes vidéos, je leur fais plaisir. Je les fais rire, etc. Et croyez pas que j'utilise les pulsions, voilà, pour me foutre de la gueule des handicapés. Vous savez, moi, je suis un mec, je kiffe le second degré. J'aime rigoler, etc. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris, voilà, des espèces de frites, dipsers. Donc c'est des frites, en gros, on dirait des chips, quoi. C'est des frites d'une autre sorte, quoi. C'est vraiment stylé. Avec un burger, je sais même pas c'est quoi comme burger. Ah ouais, j'ai pris un double cheese. Donc un petit double cheese avec deux steaks, tu connais. Histoire, voilà, qu'on parle en même temps. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, il y a un tiramisu d'un. Donc tiramisu d'un. Il y a les sauces barbecue mayonnaise. Et une boisson oasis pomme cassis framboise, enfin je sais même plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas je vais faire cette dégustation en étant triste parce que voilà, on a utilisé mon image pour se foutre de la gueule des handicapés et moi j'ai pas envie qu'on utilise mon image pour faire ce genre de choses là. Voilà, je préfère on utilise mon image pour faire rire les gens, pour donner le sourire aux gens, mais pas pour se foutre de la gueule de certains groupes, de religions ou quoi que ce soit. Moi j'ai été quelqu'un, j'ai été éduqué avec du respect, ma gueule. C'est-à-dire je respecte toutes les religions, je respecte toutes les personnes. Les personnes qui sont gays, homosexuels, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. J'ai jamais genre dénigré ce genre de personnes là, tu vois. Dans ma tête, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Tant que personne embête personne, voilà, on reste tranquille et malige, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, là, je vais goûter les frites. Mmh, mes frites comme ça, elles sont bonnes, hein. C'est une espèce de
des frites en forme de chips un peu. Et c'est pas mal. Bien blanc. En tout cas, comme je vous dis, j'ai tapé les frites, elles sont bonnes. Et là, j'aimerais taper le double cheeseburger. Mais après cette vidéo, la famille de base, c'est vraiment pas une dégustation. T'as vu, j'ai fait ça pour passer le temps, pour manger en même temps, vous parler. Parce que vous kiffez les dégustations. Mais en tout cas, vraiment, j'aimerais que voilà la personne qui a fait ça, frérot, tu vois, tu mettes plus dans des trucs comme ça. T'as vu, mon ref. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes dans ma vie, ma gueule. Et là, dans le truc que t'as fait, t'as vu, t'as essayé de me faire passer pour un mec qui se fout de la gueule des trisomiques, etc. Alors que moi, vous savez très bien, la famille, mon but, c'est pas ça. Moi, dans mes vidéos, voilà, il y a combien de mecs qui m'ont insulté, il y a combien de mecs qui m'ont dénigré. Combien d'abonnés ils m'ont fait du sale, des livraisons, des trucs de ouf, des insultes, ils ont insulté mes parents, etc. Voilà, je les ai jamais affichés, je les ai jamais dénigrés. Mais par contre, ça, je suis obligé, les frères, parce que là, on est en train de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, et ça me vénère. Ça me vénère parce que je sais qu'un handicap, à quel point ça fait mal, tu vois. C'est très très dur pour eux. Et genre, on utilise mon image pour se foutre de leur gueule, mais vas-y, tu vois, c'est. Ah putain, là, j'ai la haine, les frères, là. Mais en tout cas, je vais goûter le double cheese, là. Là, quand je fais des trucs comme ça, c'est pas pour me foutre de la gueule des handicapés. C'est parce que c'est vraiment sensationnel, la nourriture. En tout cas, le double cheese, c'est un truc à deux steaks. Vraiment, c'est très très bon. Moi, je fais ça pour rigoler, ma gueule. On n'est pas là pour utiliser mes vidéos pour dénigrer un groupe de personnes, une religion ou quoi que ce soit. Vous avez compris ou pas? Parce que voilà, les frères, ça me fait des problèmes. Ça me fait des problèmes à cause de ça. Là, carrément, il y a des associations de trisomies qui sont venues me contacter. Ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu joues à quoi, mon ref? Alors que t'as capté, moi, j'étais là, j'étais tranquille dans mon coin, je graille un tacos. Je vois, il y a des messages. Ouais, tata cheese, tata, t'as pas honte, je vais te couper la tête. Ouais, ma mamie. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, tu vois? Et après, je vois, comme je vous dis, c'est un mec qui est là, il fait des montages avec mes vidéos en se foutant de la gueule des trisomiques. Du coup, les gens, ils ont cru que c'était moi. Et du coup, ils m'ont mis dans la sauce, quoi. Et on va goûter leur tiramisu d'aile. Et je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. En sachant que voilà, j'espère que le message est passé, la famille. Le but, c'est pas de vous faire la morale ou quoi que ce soit, c'est de vous expliquer tranquillement, histoire que vous compreniez, tu vois. En faire le mec, ouais, vas-y, enlève la vidéo, je te casse la gueule. Moi, je suis pas un mec violent. Je suis un mec au contraire. Je suis contre la violence, mais après, des fois, tu connais, dans la vie, il y a des gens, ils font tellement les malins, ma gueule, tu dois leur mettre des coups de tête, ich, ich, frappe de tacos dans la tête, direct. Bref, je vais goûter le tiramisu, c'est un tiramisu full d'em, que du chocolat, d'em, que du chocolat, on va goûter ça. Ouais, franchement, c'est bon. J'ai une espèce de mousse au chocolat, en gros, mais c'est un tiramisu, il y a les poudres au fond. J'aime bien, vraiment c'est bon. Donc voilà la famille, en tout cas j'ai tout dégusté. Le but c'était pas la dégustation, comme je vous le dis, c'était de vous faire passer le message. En tout cas, j'espère que la famille, le message est reçu. Si la vidéo vous a plu, voilà, comme d'hab, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, la famille. Et là on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la mif.